Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une création qui va changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a quelques années, je faisais du bullet journal et là j'avais envie de recommencer. Donc je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment je réalise la page de garde du mois d'octobre, le calendrier mensuel, la première semaine d'octobre et une page pour noter des petites choses. Voilà, donc pour commencer, je vais tamponner le mot octobre avec la planche artiste. Je vais le tamponner au centre à peu près de ma page. Et ensuite, je vais décorer la page avec la technique du cache. J'utiliserai les tampons de la collection anérotonale, à savoir les planches feuilles d'automne, branches d'automne et couronnes d'automne. Ici, je trace une ligne en haut et en bas du mot octobre. Et ensuite, je vais passer au tamponnage. Donc, je place un morceau de papier à ras de la ligne du haut pour protéger le mot octobre. Et ensuite, je vais faire des tamponnages tout le long de cette ligne. Alors ici, ça n'a pas très bien tamponné, mais c'est de ma faute. Le papier de protection est un petit peu épais. Mais c'est pas bien grave, je vais rectifier un petit peu avec le stylo. Donc je prends une feuille un peu plus fine et là je viens placer le même tampon que j'avais détouré et je vais faire la technique du cache. Donc je vais pouvoir tamponner d'autres tampons sans tamponner par-dessus le feuillage. Voilà, je vais faire comme ça sur toute la ligne du haut et du bas. Alors je fixe les tampons détourés avec du masking tape pour éviter que ça bouge. Alors, il faut bien appuyer. Ensuite, je retourne mon cahier et je vais faire exactement la même chose.
Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir passer à la colorisation. Ensuite, je vais déposer mes oxydes sur une feuille de rhodoïde et je viens prélever l'encre avec un pinceau à réserve, à réservoir d'eau. Donc là, je commence par les feuillages, ensuite je ferai les fleurs. Donc j'ai tamponné des petites feuilles et là je vais mettre des petites taches par-ci par-là et ensuite je vais pouvoir passer au calendrier mensuel. Ici vous alignez votre règle sur les deuxièmes points du bord gauche et vous tracez un carré de 12 cm de côté. Ensuite, vous marquez des repères à 3, 6 et 9 cm et vous tracez les lignes. Comme tout à l'heure, vous tracez la ligne de 12 cm. Vous marquez un repère à 3 cm, ensuite à 3, 6 et 9 cm. Vous tracez la ligne et ensuite vous tracez des lignes de 12 cm. Et vous marquez encore des repères à 6 et 9 cm. Ici, vous tracez une ligne de 12 cm, une ligne de 6 cm et après il suffit de tracer les grandes lignes. Alors, je n'ai pas fait attention mais ma vidéo s'est coupée. Bon, c'est pas bien grave, vous avez eu le principal, les dimensions du calendrier. Donc j'ai juste rajouté le mot octobre avec la planche artiste et j'ai rajouté pour le moment quelques fleurs. Là, je vais continuer à tamponner d'autres feuilles et fleurs. Je reprends ma feuille de rhodoïde avec les distress et je viens coloriser mes tampons.
Comme souvent, je vais rajouter des petites taches. Et finalement, je vais rajouter des tamponnages, histoire de combler un petit peu le haut des pages. Voilà, le calendrier mensuel est terminé. Je vais passer à la préparation de la première semaine d'octobre. Comme tout à l'heure, vous alignez votre règle sur les deuxièmes points en partant du bord gauche de votre cahier et ensuite vous tracez des lignes verticales tous les 4 cm sur la page de gauche et ensuite vous recommencez sur la page de droite. Ici, vous tracez une ligne horizontale à 7,5 cm. Voilà. Donc ensuite, avec la planche de tampon Project Life, moi, je vais tamponner les jours de la semaine. Ensuite, je tamponne le mot semaine, c'est le mot qui vient de la planche Project Life. Et là, j'ai pas assez appuyé sur mon bloc, donc je repasse au stylo. Je vais tamponner le nombre 40, ce sont des chiffres de la planche Alphabet Artist. La première semaine d'octobre, c'est la semaine 40 du calendrier. Et ensuite, je vais décorer un petit peu le haut de la page, donc toujours avec les mêmes tampons, hein, des planches couronne d'automne, branche d'automne et feuille d'automne. Thank you.
Ici, je vais tamponner jour après jour et saison dorée, qui sont des mots de la planche branche d'automne. Je rajoute des fleurs et des feuillages que je vais coloriser ensuite. Ici, je rajoute la date et ma première semaine est terminée. Ensuite, pour cette dernière page, je vais tracer des petits cadres dans lesquels je pourrais noter les choses à faire, des choses à ne pas oublier, etc. Donc ici, je trace un premier cadre de 6,5 cm sur 8 cm et le second fait 6 cm sur 8 cm. Je rajoute des tampons de la planche Project Life Moi que je vais venir ensuite coloriser. Et pour le grand cadre en haut de la page, il mesure 13 cm sur 8,5 cm. Ensuite, je vais rajouter ce tampon que j'adore, qui fait partie de la planche couronne d'automne. Je reprends ma feuille de rhodoïde et je vais venir coloriser tous ces petits éléments. Thank you.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Alors, c'est vrai que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je suis contente d'avoir repris le bullet. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien tous les dimanches soirs préparer ma petite semaine, personnaliser mes petites pages. C'est vraiment très sympa à faire. Alors, il me reste encore plein de choses à faire hein, dedans, hein, comme les trackers d'activité. Je n'y ai pas encore réfléchi. Comme les collections, vous savez, les pages où l'on note nos lectures, les films que nous avons vus, voilà, plein de petites choses comme ça encore à faire. Je trouve ça très sympa. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir!